Bonsoir, Jérôme, et surtout, bonsoir à tous les enfants qui nous regardent. Oh, ben, je quand je vous regarde, je sens l'enfant que j'étais revenir en moi, mais est-ce que je peux vous appeler Oncle Walt? Ça dépend. As-tu pris ton abonnement Disney Pass Gold qui t'offre un accès illimité au parc Disneyland Paris pour seulement 699 euros par an? Ah ouais, c'est ça. Non. Eh bien, alors tu m'appelles Monsieur Disney. Sale petit radin de merde. Mais je suis ici pour faire la fête. Ah. Hein, du champagne français, des petits toasts au foie gras. Vous voilà, avez des toasts au foie gras? Oui, sur le centre. C'est gentil, alors. Servez-vous. Ah, ben, c'est très gentil. Non, allez-y, servez-vous. Allez-y, servez-vous. Regardez. Oui, ben, c'est très gentil. Bon. Vous deux, regardez. Ah, merci beaucoup. Ah, si, c'est la fête. Mangez. Bon, dites 100 ans déjà. De féerie, d'aventure, depuis ce temps, vous avez vraiment des millions de... De dollars, de gens heureux. De gens heureux. Tous les enfants, petits et grands. Tous les enfants. Ah oui, bien sûr. Oui, mes actionnaires. Ah oui, je les ai, mes actionnaires. Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides, apparemment. Il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux. T'as déjà vu Disney faire des cadeaux, toi? Non. Alors, ici, en promo, j'ai le DVD de Basile le Détective 2, voilà. Les Aristochawites, Blanche-Neige 14, ici, voilà. Non, mais vous pouvez pas faire votre commerce ici, maintenant, hein. Bon, allons, un petit placement produit, ça fait de mal à personne. Vous faites bien sur The Voice, c'est ça? The Voice? Attendez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, voilà, ça, c'est bien, ça. Ah oui. Et aujourd'hui, à l'achat de ce diadème oreille, je vous offre la possibilité d'en acheter un deuxième. Oh, ben, vous êtes quand même... Ah ben, monsieur est trop bon. Ah. Oh là, Pocahontas, là. Pocahontas. Hé, hey, t'as pas mis ton déguisement? Hein? La parade, c'est à quelle heure? 21h, hein? Alors, on va mettre son petit costume. Et là, Médusa, là, et Cruella d'amour, là. Hé, hey, vous arrêtez de rire! Non. Je vous paye pour quoi, moi? Je vais vous faire virer, moi! Pas sûr qu'ils s'en plaignent, hein, monsieur Disney, excusez-moi. Hein. Bon, alors. Alors, est-ce que tu veux que je te raconte une formidable anecdote inédite? Ah oui, avec plaisir. Ah, ben, ça te coûtera 10 dollars. Moi, je suis très déçu. Je croyais vraiment que vous étiez un artiste. Voilà, un vrai. Mm. Dès le départ, quand vous avez inventé le personnage mythique de Mickey Mouse en 1928. Et Mickey, je l'ai amené, il est là. Mickey. Allez, Mickey, viens. Il y a des maisons de Mickey. Allez, dépêche-toi, là, c'est pas possible, ça. La maison de Mickey. Regarde-moi ça. Quel état il est? Non, mais... On fait la promo des 100 ans et vite fait. Hey, t'es payé pour quoi? Elle te paye pour quoi? T'as pas oublié tes présences là aux États-Unis? Hein? Franchement. Argentine, Nouvelle-Zélande, t'as fait tout ça? Les fêtes du centenaire, tu comprends ce que je veux dire? Tu entends ce que je dis? Comment? Oui, voilà. Oui, voilà, non, il est né en 1928, forcément, il sent plus le vieux gruyère que le gouda jeune. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, voilà, c'est bien, c'est qu'est-ce bien. Qu'est-ce qu'il dit, le tortionnaire? L'exploiteur capitaliste? Non, mais il blague, il m'adore. Hein? Mickey, vous êtes venu seul ou Minnie est là aussi? Évidemment, ah. Minnie est toujours avec moi. Ah, faites-la rentrer, alors. Mais comment elle va, cette chère et tendre Minnie? Oh, bah écoutez... Non. Oh, non. Pourquoi le truc arrivé? Non, je le savais. Mais, enfin... C'est dur. David, c'est pas pour du vrai, là. Pas pour du vrai. Bon, et Donald, il n'est pas là? Ah si, il est là aussi, si. Ah, bah, écoutez, amenez-le parce que moi, je l'adore. Ah ben, tu l'adores? Oui. Bah, tant mieux. Attends, reprends une petite part, alors. Non. C'est horrible. Et surtout, ne lui demande pas où est Pluto. Il faudrait qu'il vienne avec Mulan et qu'il te parle de son cousin restaurateur, mais tu n'aimerais pas beaucoup l'histoire. D'ailleurs, on ne l'appelle plus Pluto, mais trop tard. Peter, Clochette, venez ici, les amis. C'est ta charge. C'est ta charge. Nous sommes tous les siens. Tout en bas, tout en haut.
Mais non, mais c'est pas possible, hein, cette situation. Non, c'est mais pas là, pas... là, vous avez raison. Mais oui, c'est pas... Non, mais non. C'est tout à fait inadmissible. Ah bah oui, mais ça, je comprends. Et alors, les vieux, on entre sans chanter. Eh oh, eh oh, eh oh. Oh, eh oh, eh oh, on exploite un boulot. Enfin, c'est pas de vous, ça. C'est pas de vous. Vous avez intérêt à faire mieux, hein. Sinon, je vous envoie dans un EHPAD Orpea. Mamini, ce ne serait pas la chance que tu as, Mamini. Ouais, ben, vous me décompterez 10 minutes de retard à la pointeuse, hein. Je vous paye pas pour arriver en retard. Moi, je suis outré par ces conditions de travail, c'est vraiment scandaleux. Ah, tu donnes raison au syndicaliste, maintenant. Oui, parfaitement. Tu as envie qu'on diffuse ton émission dans 6 mois? Parce qu'on l'enregistre maintenant. Tu veux qu'on la diffuse dans 6 mois? Et c'est moi, c'est... Cochette, Cochette, j'ai des effets sur moi, faut que tu changes mon linge. Oui, mais c'est pas, hein. Mais après, tu t'étonnes qu'on t'appelle Peter Pampers? Toute mon enfance bousillée en 6 minutes. En 6 minutes. Mais non, mais j'ai une entreprise à faire tourner, moi, merde, dans Walt Disney Company, il y a Compagnie. Oui, ben. Compagnie. Pas Compagnie, comme j'étais toujours blessé, je me casse encore la gueule en première ligue avec Burnley. C'est ce que je veux dire. Non, Compagnie, comme dans entreprise. Ça va. C'est facile, hein, non? Oui, oui, c'est très facile. Merde, putain. Ah, oh, putain, c'est Balou, il me fait chier. Ouais, Balou, ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, ton augmentation, ouais. Il est lourd, il fait. Ouais, ouais. Dis, il en faut beaucoup ou peu pour être heureux? C'est bien ce que je pensais. Ouais. Mais bon, alors, hé, oh, Clochette, ça vient? Vas-y. Ah, oui, oui, pardon, oui, oui, attendez. Ouais. Ah, cette... Voilà. Ah, c'est... Ah, ça, c'est... Ah, oui, oui, ça, c'est, hein? C'est de la fameuse poudre d'or, ça. Non, non, c'est de la poudre à gratter, comme ça, les gens se démangent un peu, comme ça. Et moi, tadam, je vends une crème Disney anti-urticante pour 8$ le tube seulement. Mais c'est vraiment scandaleux, hein. Ouais. Il a beaucoup de coups de fil. Ouais, Pumba, ouais, gros, ouais. Ouais, Hakuna Matata, toi aussi, ouais. Ouais, c'est fait? Non, mais Ariel, tu l'as mise au congélateur? Oh. Est-ce que tu... Je demande un oui ou un non. Parce que ça commence à sentir la vieille morue ici. Un oui, ah oui, non, non, je vais devoir tout faire, moi, ici. Oui, écoute, fais ça et va donner à manger aux 3800 dalmatiens. Ouais, à toutes, ouais, bisous. Comment ça, les 3800 dalmatiens? Je crois qu'il y en avait que 101. Ouais, mais grand, tu mets ça à un dalmatien nourri blanc comme les épensants pendant 150 ans, ça quête, tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Minute, hein, on n'est pas au bar là ici. Mais attendez, vous êtes Cendrillon? Oui, enfin maintenant on l'appelle plutôt Cendrier. Mais merde! Comment est-ce que tu veux encore faire rêver les gens dans la tête quand t'as cette bande de bras cassés là? Allez, gamin! Petit succès, hein! Ouais, bah ouais, j'ai mon petit. Avec qui? Avec le président Macron! Ouais. Ou alors, Walt! Blanche-Neige, elle est tellement ridée qu'on l'appelle Blanche-Neige fondue maintenant. Elle s'est chopée le Covid à cause d'Atchoum. Pas sûr qu'elle va passer l'hiver. Et alors, la Belle au Bois dormant, elle a une cystite, c'est la Belle au Bois coulant! Bon, t'as pas vu ma pantoufle? Parce que je l'ai encore perdu. Ah, votre pantoufle de verre. Mais non, ma pantoufle pour mettre sur mes bas de contention. Je ne suis qu'une varice. Bon, allez, je me casse. C'est bientôt l'heure de ma citrouille. Ah oui, quand votre carrosse se transforme en citrouille, à non, minuit. La soupe à la citrouille, qu'est-ce que tu racontes? Ça aide mon transit intestinal. Sinon, je suis ballonné, je pète plus fort que... comment l'autre, là? Elliot. Elliot, le dragon. Bon, allez, je me casse. Cendrillon, pour ses 100 ans, ne se tape plus des presses, charmant. Non, mais c'était très bien. Mais franchement... Vous avez brisé tous les rêves de mon enfance, hein, vraiment. Mais non, on t'a pas parlé de Robin des Bois qui a une hanche en plastique. Oui. Je ne sais plus comment on l'appelle déjà maintenant. Je ne sais plus comment on l'appelle, il est oublié. Moi aussi, c'est comment? Robin des Boîtes. Voilà. Ouais. Bon, mais je pense qu'on va en rester là, il vaut mieux, hein, parce que j'en ai marre. Là. D'accord, mais surtout, n'oubliez pas le secret de la magie du monde de Disney. De garder votre âme d'enfant? Non. Non. De prendre votre passe annuel à 629 euros. Sortez! Allez, on dégage!